Je vais vous laisser en famille. Voilà, mon mandat de président du Lions Club arrive à sa fin. J'espère que mon successeur bénéficiera de votre formidable soutien et amitié. Pour l'heure, je cède la parole au conférencier du jour, Brice Dachicourt. Il parle de son successeur et juste après, il passe la parole à Brice. Tu vois ce que je veux dire? Non, demande pas le Borichon. Ils ont fait le même coup à Gilles l'année dernière, hein? Lyon. Ah, la Lyon. Quand les grands-parents, les sages, les pépés, les mamies ne sont plus des exemples, mais deviennent des suborneurs, voire des pourvoyeurs, ce sont tous nos jeunes qui sombrent avec eux. Ce soir, je voudrais aborder un sujet tabou, passé sous silence dans les médias, drogue et troisième âge. Eh oui. J'ai travaillé sur ce terrible fléau avec un lion de choix, gouverneur de surcroît, le grand gériatre bavarois, le professeur Helmut Autobank. Grand résistant. Mais oui. C'est dans sa clinique pilote de Karlsruhe qu'ont été tournées ces images douloureuses et qui nous interpellent tous. Voilà, Gilles, tu es sûrement plus doué que moi. Hein. Non. Il était si bien parti. Quel dommage, c'est en mort. Pas de technique. Je profite là, de ce petit interlude pour vous convier tous au spectacle que l'abbé Gervais et moi-même allons créer pour le tricentenaire de Notre-Dame de Jouy. Alors, petits et grands, venez nombreux, cela évitera à nos enfants de s'abrutir devant la télévision en regardant ces dessins animés japonais consternants. D'autre part, n'oubliez pas, notre sympathique bric-à-brac se tiendra cette année dans les jardins de Sainte-Blandine. Mais Béné, c'est toi ! Déjà du son, il ne manque plus que l'image. C'est ton boulot ça, bidouille la voix. Colle-moi un bon paquet de réverb avec 3-4 choristes black. De toute façon, elle va pas nous chanter a cappella dans la chapelle Sixtine. Rubino, ça fait 2 jours que je te cherche. T'as les chiffres? Mais c'est normal que les ventes décollent pas, on l'entend jamais en radio. C'est les programmateurs, on les rince à longueur d'année quand t'as besoin d'eux, Macash Bono. Et le clip? Il passe comment? Mal. De toute façon, cette chanson c'est de la merde. Et puis comme tu l'as dit toi-même, on a fait un galop d'essai, d'accord? Maintenant on va attaquer mon album. Écoute Gloria, pour attaquer, il faut des munitions et une stratégie. Et je me demande si on n'a pas sous-estimé une donnée. Laquelle? Maxo. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je dis rien, moi, c'est le public qui parle. Peut-être que sans Maxo, tu plais moins. On va savoir si Tintin aurait cartonné sans Milou. Qu'est-ce que tu connais, Rubino? Quand je t'ai rencontré, tu tenais une baraque à frites à la Grande Motte. C'est moi qui t'ai dégoté ta place de chauffeur chez Pascal Sevran. T'as la mémoire aussi courte que ta pauvre queue! Ok, c'est l'heure de vérité, alors je vais te dire, ton comeback, tout le monde s'en branle. T'as verrouillé 362 disques dans la France entière en 8 jours. Hourra! Voilà pour ta grande carrière. Alors tricote des pulls verts, t'en vendras plus. Bien, on s'en va, elle est complètement disjonctée. Rubino! Quoi? Prends-le vite, il va refroidir. Salope! C'est la honte! C'est la disgrâce! Pas forcément! Souviens-toi, il y a 3 ans, Jacques Delaunay a fait tout son discours la braguette ouverte. Ça l'a pas empêché d'être élu président. Mais ça n'a strictement rien à voir! Toi, tu t'exhibes dans un film pornographique. En prostituant ta fille pour 177,53 francs. J'aurais préféré que tu me trompes. Au moins, ça serait resté entre nous. Je te jure, Brice. Il n'y a eu aucun attouchement avec ces 5 bons hommes, ils n'étaient pas là. C'est un trucage en incruste. Et maintenant que tu as signé ce torchon pour 80 passages à la télévision française, il faut nouveau. La boîte de ton père, la maison et partir. Loin, très loin, changer de nom. Chirurgie esthétique. Ah non. C'est pas vrai, mon Brice. Ah, vraiment, tu m'auras tout fait.